Hey, si tu veux soutenir le développement de la chaîne, n'hésite pas à aller sur mon Utip ou mon Tipeee. Tu regardes une pub de 30 secondes seulement, et moi, ça me fait gagner 5 centimes. C'est rien pour toi, mais si chaque élève de la classe faisait ça, je pourrais encore plus la développer grâce à vous. Pour y aller, le lien est en description. Merci à toi, et sur ce, passe une bonne vidéo. Hello les gens, Santo Sensei, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale. En effet, la vidéo sera sponsorisée par le jeu Raid, un des jeux RPG sur smartphone qui a le plus de chances de t'enjailler, mon gars, parmi les nouveaux qui arrivent. Et en plus de ça, le jeu est complètement gratuit. Et même toi, qui ne dépense pas d'argent dans les jeux, tu pourras t'enjailler comme jamais, parce que maintenant, tous les jours, pendant 90 jours, tu recevras des récompenses qui te donneront la chance d'avoir des objets assez intéressants. Et c'est pas terminé, parce qu'en plus des graphismes de fou, de l'histoire vraiment bien, t'auras un gameplay stratégique avec des boss à affronter de tout genre et des champions à personnaliser. Le jeu a été téléchargé près de 10 millions de fois en seulement 3 mois, ce qui est vraiment pas mal. Donc là, tu peux voir rapidement certains champions de ce jeu vraiment assez impressionnants dans leur chara design pour un jeu qui se veut être free. Mon préféré, c'est l'elfe avec son bâton magique. Regarde cette classe, mon gars. Et regarde ça, avec plus de 200 revues, ce jeu est presque à 5 étoiles sur Store. Donc les gens le kiffent en général. Ce que j'ai bien kiffé, c'est le système de combat tour à tour. Ça te permet de mettre en place des stratégies pas mal et de battre des adversaires de niveau supérieur, malgré la différence de force. D'ailleurs, si tu veux jouer avec moi, je m'appelle Anto Sensei, donc rejoins-moi. Si tu veux télécharger le jeu, va dans le lien dans la description et tu obtiendras en plus 50 000 pièces d'argent et un champion épique gratuit dans le cadre du programme Nouveau Joueur. Hello les gens, Santo Sensei, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons parler de... Wesh wesh, salut, ça va, ouais, tranquille, merci, c'est Mir. Et mon but très cher, Santo Sensei, comment ça en live sur Twitch? Tu fais à chaque fois une partie où tu parles d'actualité et des nouvelles séries animées de chaque semaine, mais t'en fais pas en vidéo là. C'est quoi cette discrimination? Tu veux qu'on se tape ou quoi là? C'est quoi ce bordel, wesh? Pas con, Donald Trunk. Du coup, tu l'auras compris, en live Twitch, je te mets souvent à jour sur les nouveautés animées et autres infos de la semaine. Donc je vais faire pareil, mais sur YouTube. Dis-moi si le nouveau concept t'intéresse. Aussi, j'ai mis toutes mes sources en description si tu veux en savoir un peu plus. Je rajoute également que les résumés que tu entendras auront été pris sur les sites en description, comme la majorité des infos que tu entendras seront des sorties que je ne connais pas. Pour ne pas dire de bêtises, j'ai repris les résumés présents sur les sites. Petit bail avant de commencer la vidéo, comme d'hab mon gars, rejoins-moi sur Twitch. En ce moment, je fais des lives tous les jours à 18h. On regarde des épisodes d'animé, t'as mes réactions en direct. Perso, je trouve qu'on s'enjaille comme jamais. Alors rejoins-moi, mec, on va bien s'enjailler. Sur ce, let's go! L'anime Black Fox en publicité vidéo. Le site japonais Cinema Today a dévoilé la publicité vidéo de l'anime Black Fox, donc de Kazuya Nomura, qui a fait Joker Game, Ghost in the Shell, The Movie. Cette OAV est prévue en avant-première le 5 octobre 2019 dans quelques salles japonaises. Donc on aura comme genre tranche de vie, enquête et un peu d'action. Le synopsis. Rika Isurugi, la fille aînée d'un clan ninja, vit dans une résidence cachée dans un coin de ville futuriste. Elle admire beaucoup son père, un chercheur. Un jour, la maison de Rika qui menait normalement sa vie a soudainement été attaquée. Il est temps pour la jeune fille de prendre les armes, déchirer les ténèbres et de devenir Black. L'anime Sword Art Online Alicization War of Underworld en promotion vidéo. Aniplex a dévoilé la bande-annonce de la troisième partie de l'anime Sword Art Online Alicization. Intitulé War of Underworld, ce troisième arc est donc prévu pour octobre 2019 et sera accompagné de l'épisode 25 au Japon et en France. Donc ce sera toujours disponible sur Wakanim et ensuite en Blu-ray édition. Donc petit résumé, victime d'une agression par un ancien membre des Laughing Coffins, Kirito se réveille à l'intérieur de l'Underworld, une nouvelle réalité virtuelle dont il était testeur. Ignorant comment il est arrivé là et incapable d'entrer en contact avec le monde réel, il va donc parcourir ce monde pour chercher le moyen d'en sortir. Il retrouve Yujo, un jeune entailleur qu'il avait connu à l'époque, qui recherche toujours Alice, son amie d'enfance, enlevée quelques années plus tôt devant leurs yeux par un des représentants de la plus haute autorité de ce monde, un chevalier intègre. Résolu à élucider tous ses mystères, les deux garçons n'hésitent pas à unir leurs forces. Démarre alors une longue et périlleuse aventure vers la capitale.
Le film d'animation Evangelion 3.0 plus 1.0 daté au Japon. Le site officiel a révélé la date de sortie cinéma du film d'animation Evangelion. Le film est prévu pour juin 2020 dans les salles japonaises. Il s'agit du quatrième et dernier film du reboot de la saga Evangelion. Donc le genre c'est mecha, psychologie et seinen. Petit synopsis, en l'an 2000, une gigantesque explosion se produit en Antarctique, provoquant un cataclysme, un raz-de-marée fonde des calottes polaires, qui dévaste une grande partie de la planète. Les autorités déclarent que cette catastrophe est due à la chute d'un astéroïde. 15 ans plus tard, l'humanité a surmonté cet événement, appelé le second impact. Mais de mystérieuses créatures nommées anges font leur apparition et tentent de détruire Tokyo 3, la nouvelle capitale forteresse du Japon, construite après le second impact. Pour les combattre, l'organisation secrète Nerve a mis au point une arme ultime, Evangelion ou Eva, un mecha, donc un robot géant. Shinji Ikari, 14 ans, sera à Tokyo 3 sur invitation de son père, qu'il n'a pas revu depuis 10 ans. Il est loin de se douter qu'il sera impliqué dans un conflit qui pourrait bien signifier la fin de l'humanité, quoi qu'il arrive. Le film d'animation Konosuba Kurenai Densetsu en trailer. Le site officiel a mis en ligne le second trailer du film d'animation Konosuba Kurenai Densetsu. Le film est prévu pour le 30 août 2019 dans les salles japonaises. A noter que c'est le studio JC Staff qui remplace le studio Din à la production. Donc le genre ce sera shonen, aventure, comédie, fantasy et harem. Donc petit synopsis, Sato Kazuma, un hikikomori fan de jeux vidéo, meurt lors d'un accident de la circulation et se retrouve transporté dans un monde fantastique avec Aqua, une divinité maladroite. Très vite, il se compose d'une équipe d'aventurières atypiques pour faire le moins de travail possible lors des quêtes. Dans le film, la bande d'amis se rendent dans la ville natale de Megumin pour une nouvelle et incroyable aventure avec nos héros. L'anime 22-7 diffusé au Japon. C'est sur le site officiel que nous apprenons la date de diffusion de l'anime 22-7 ou Nanabun no Nijiu ni. La série animée est prévue donc pour janvier 2020 au Japon. Et pour l'instant on n'a que ça comme information. Je vais vous faire vite fait un résumé. L'histoire nous entraîne aux côtés d'adolescentes qui montent un groupe d'idoles au sein de leur lycée. Incendie criminel au studio Kyoto Animation, plusieurs morts confirmées. C'est donc grâce à NHK que nous apprendrons que le studio d'animation Kyoto Animation, qui a donc fait Violet Evergarden, Sound of Euphonium et Free, a été victime d'un incendie criminel entraînant la mort de plusieurs personnes. Ce jeudi 18 juillet 2019, aux alentours de 10h du matin au Japon, vers 3h du matin chez nous, un individu a allumé un feu dans l'immeuble du studio Kyoto Animation en utilisant du produit inflammable. Vers 10h30, des habitants du quartier ont entendu une explosion provenant des 3 premiers étages et au moment de l'incendie, 70 personnes travaillaient dans le studio. La police de Kyoto a arrêté le suspect qui a une quarantaine d'années et qui a admis avoir allumé l'incendie. Pour le moment, 34 morts ont été confirmés par la police, 10 blessés graves et 24 blessés de modérés à légers. Donc c'est vraiment une information très 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 déprimante que je viens de vous donner. Je tenais à envoyer tout mon soutien aux familles des victimes de cet incendie. Donc force à elles. L'anime Gochumon wa Uzagi Desuka Sing for You en promotion vidéo. Le site officiel a dévoilé la bande-annonce de cet anime. Cet OAV est prévu le 26 septembre 2019 au Japon et une saison 3 sera donc prévue pour l'année 2020. Le genre sera donc amitié, comédie, tranche de vie et seinen. Petit synopsis de la saison 1, nous suivons le quotidien adorable de la jeune Cocoa Oto qui travaille dans le café Rabbit House. C'est dans ce lieu qu'elle fera la connaissance de tout un tas de filles extraordinairement drôles. Deux épisodes originaux pour faire le lien avec le film animation One Piece Stampede. L'éditeur Shueisha a annoncé la diffusion d'épisodes originaux de l'anime One Piece pour introduire les événements du film animation One Piece Stampede. Ces deux épisodes sont prévus respectivement le 28 juillet 2019 et le 4 août 2019 au Japon et en France. Le film est prévu le 9 août 2019 dans les salles japonaises. Bon, je pense que vous connaissez déjà One Piece, donc je vais pas vous faire un résumé. Cependant, je vais vous faire le résumé des épisodes spéciaux. Luffy et ses amis se retrouvent attaqués par le chasseur de primes Seedle et sa guilde. Pour échapper au chasseur de primes, l'équipage du chapeau de paille finit par épuiser tout le cola du navire et doit s'arrêter sur une île voisine pour faire le plein. I'm losing my innocence.
And you don't know my intent. Une nouvelle série animée Yu-Gi-Oh! Annoncée pour 2020. C'est à la télévision japonaise que nous apprenons la production d'un nouvel animé pour Yu-Gi-Oh! La série animée est donc prévue pour 2020 au Japon. Ce projet célébrera les 20 ans de la licence. Pour l'instant, on n'a que ça comme information. L'anime Shōbiyō Gekigatsu Boy est daté au Japon. Le site officiel nous a donc dévoilé la date de diffusion de Shōbiyō Gekigatsu Boy. La série animée sera donc prévue pour octobre 2019. Et pour l'instant on n'a que ça comme information. Le genre sera donc shonen, tranche de vie, school life et un peu de comédie. Le synopsis, nous suivrons le quotidien amusant de Mizuki Ijiri, une jeune lycéenne fraîchement transférée et de sa rencontre avec 4 mecs souffrant de shonibio. Donc le shonibio c'est le fait en fait pour des personnes de se croire dans un jeu vidéo ou dans un manga. Il y a donc Noda qui rêve de devenir un héros de shonen, le tragiquement beau otaku Takashima qui n'aime que les filles 2D, Nakamura l'ange ou le diable soi-disant réincarné et Tsukumo. Le film d'animation Hello World en trailer. C'est sur le site officiel que nous découvrons le trailer du film d'animation de Tomohiko Ito, donc qui a fait Sword Art Online saison 1 et saison 2, Ordina Scale et Erased. Le film d'animation qui sera donc en CGI est prévu le 20 septembre 2019 dans les salles au Japon. Le genre sera donc tranche de vie, romance, science-fiction et suspense. Petit résumé, Kyoto année 2027, l'histoire nous entraîne aux côtés de Naomi Katagaki, un lycéen qui rencontre son lui du futur. Ensemble, ils doivent changer l'avenir et sauver une camarade de classe s'appelant Ruri, que le jeune Naomi commence à fréquenter depuis 3 mois. Bon là, ça me fait grave penser à une sorte de Orange, et le petit truc qui me fait un peu peur, c'est qu'on aura du coup un peu de CGI, donc je vais voir comment ils vont s'en sortir, mais sinon, à regarder. L'anime Assassin's Pride en teaser vidéo. Le site officiel a mis en ligne le teaser vidéo de l'anime Assassin's Pride. La série animée est prévue pour octobre 2019 au Japon. Le genre sera donc shonen, action, aventure, comédie et fantasy. Petit synopsis. Dans un monde où seuls les nobles peuvent utiliser la magie, ils ont pour devoir de protéger les villes et villages de toute menace. Nous suivons le quotidien de l'intrépide Mareida, une noble qui ne maîtrise pas encore la magie. Elle est assistée par Kufa, un redoutable épéiste, pour l'aider à développer son potentiel au fil des missions. Mais si cette dernière reste inutile pour la société, Kufa aura pour fonction de l'assassiner. L'anime Nanatsu no Taizai Wrath of the God en visual art. C'est par le biais de Aniplex que nous découvrons l'affiche officielle de l'anime Nanatsu no Taizai. La série animée, donc saison 3, est prévue pour octobre 2019 au Japon. A noter que le staff animation a changé. Donc pour le genre, vous connaissez déjà, ce sera fantasy, action, aventure et petit synopsis de la saison 3. Melodas et ses compagnons ont enfin libéré Lyonnais de la menace qui pesait sur la capitale. Au même moment, une ombre plane sur la forêt du roi des fées. King et Diane sombrent dans un étrange sommeil et quand ils se réveillent, ils se retrouvent face à leurs ancêtres, désormais membres des Ten Commandments, qui les invitent à passer une épreuve pour devenir plus puissants. Le jeune roi des fées et la géante vont alors être témoins de la guerre sainte qui s'est déroulée 3000 ans plus tôt. Nanatsu no Taizai, Kamigami no Gekirin, 2019 nen aki, hōsou kaishi. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si tu l'as kiffé, ça encourage beaucoup. Et comme d'hab, extermine, détruis, fais du mal à la barre des pouces bleus, je veux l'entendre gueuler depuis chez moi. Dis-moi aussi en commentaire, quelles sont tes idées de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Je lis tous tes commentaires, donc n'hésite pas. Sur ce, je te dis tchuss, et à la prochaine.